Et salut à tous et à toutes, c'est Tortotonic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo du LP Minecraft 1.9. Dans cet épisode, on va faire la suite de notre épisode qui est en fait en deux parties. Donc je vais creuser la salle en accéléré. On va commencer cet épisode avec un petit accéléré. Donc à tout de suite.
Ouais les amis, donc je sais pas si vous avez vu, j'ai cherché du bois, ce sera pour les pistons. J'ai fini la salle. Enfin j'ai bientôt fini parce qu'il manque des blocs. Du coup. Donc je casse ça. Donc il manque des blocs, du coup j'ai mis de la cobblestone, vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai pas de blocs de melon. Et j'ai pas de melon du tout même. Ça a bien poussé, je vais en casser. Voilà, des carottes. Si je me fais... il manque de XP pour me faire des enchantements cheatés. Mais ce que je disais, c'est que j'aimerais bien avoir une ferme à mob, une tour à mob. Je la ferai bientôt. Qu'est-ce qui manque? Donc voilà, j'ai le bois, j'ai la pierre que j'ai cuit. J'ai... Voilà, on va prendre... La stone. Du coup, j'ai un peu de redstone. Donc, on va me faire des pistons en priorité. Non. Allez, on va faire des. Des houppeaux. En priorité. Oh, je suis perdu avec ce bois. Voilà. Il faut plein de coffres pour fabriquer des hoppers. Serait pas mal hein. Voilà, 16 c'est pas mal. Il nous faut maintenant des pistons en masse. J'ai pas de fer qui traîne. Un petit peu là. Parfait. Donc cobblestone. Le bois. Pilacé. Et la redstone. Parfait. Il me faut que des collants, donc du coup, hop, slim. Donc je pense que ça peut passer, ça peut passer. Il me faut des torches. Ah, il m'en reste une de poudre. Je vais fabriquer des repeaters. C'est l'inverse. Voilà, je vais fabriquer un peu plus de... un stack. Voilà, je vais poser un peu de bois et je vais prendre la redstone. Donc je pense que je suis bon. Donc je vais vous montrer le résultat final de la salle. Enfin, chaque fois que je dis ça, oh, il y a beaucoup de poulpes. C'est parti. Je ferai des trucs sympas, des gadgets sympas autour de la base. Par exemple des boules des bombes de neige qui tirent sur les boules, je sais pas, je trouverai des trucs, j'amènerai des gardiennes qui protégeront contre les poulpes, enfin bref, on verra. Du coup ici il faut que je pose des coffres. Là c'est pas mal. Il manque des blocs donc du coup je pourrais pas tout finir. Ici j'ai pas moyen de... Ça marche hein? Je crois que ça me le casse mais bon. Ouais, ça me le casse. Bon pas grave. Non en fait je cherchais des potions, je cherchais les échelles tant qu'on y est, parce que comme ça au moins j'ai une petite porte. Oh, je me suis fail. J'ai peur qu'il y ait des monstres qui spawnent. À chercher une potion. S'il m'en reste bien sûr. Une potion de visibilité sous l'eau, enfin night vision. Waterbearing, non. Ah, il nous en reste pas. Bon. C'est un peu chiant. Ah, il nous en reste pas, bon bah. On va le faire comme ça du coup.
trappes, elles sont là. Elles sont à mes trappes. Hop, hop. Ah, ils ont changé les bruits, ça fait bizarre. Donc, comment ça marche? Comme ça, comme ça, comme ça. Après. Comme ça. Comme ça. Donc là, on va mettre une rangée de Hooper, le maximum que je peux. Hein. Bon, on va dire ça, on va regarder un cas où. Ouais, bon, pseudo vite. Voilà. Ça énerve un peu au niveau de l'éclairage, je peux pas vraiment éclairer. Donc on va essayer de se faire ça vite. Du coup, ici, ah, il nous faut de la terre, j'ai pas de terre. Bon, pas grave. Ouais. On va commencer là. Ici. On va mettre les pistons. Qui font jusqu'à la ligne. Bon, il n'y a pas énorme, mais bon, c'est pas mal en fait. J'ai pas besoin de tout ça. Le seau. Donc là, il y aura la terre. Ici, il y a la terre. Ici, il y a de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que j'ai tout. Je vais chercher la terre pour éclairer. La terre pour éclairer. Non, je vais chercher de la terre et après je pourrais éclairer. Je vais faire une petite salle pour éclairer en bas. Si j'ai une tonne de verre, je vais limite je vais faire un petit dôme. Non, j'ai pas une tonne de verre, j'en ai... m'en reste 56. Ah si, il m'en reste 2 sacs. Ouais, mais j'ai pas joué le risque. Limite, je sais comment je pourrais éclairer. Je cherchais quoi? De la terre. Il y en a un peu là. Ah, j'ai pas énormément de terre, hein. J'aurais cru. Normalement, c'est... il m'en faut pas une tonne non plus, mais... Alors. Donc les pistons, ils vont retirer la terre en fait. Ces pistons-là servent à retirer la terre pour qu'il y ait un trou dessous les melons. Donc en fait ces pistons... non, ici il n'y en a pas justement. C'est pour qu'il y ait le trou. Ah, par contre je la ramasse pas, ça va dans les coffres. C'est un peu relou. Donc c'est pour qu'il y ait un trou dessous les pistes, dessous les hoppers. Voilà, donc là il y aura. Là ici il y aura les graines. Donc ici il faut une barre d'eau. Et l'eau on a plein, donc c'est bon. Je vais juste la remplir comme ça. Voilà, donc ici il y aura l'eau. Petite idée. Comment je pourrais faire? Ah, ça m'a inspiré. Voilà, petit dôme qui éclaire un tout petit peu. Donc ici il y aura l'eau ici. Donc ici juste au-dessus il y aura. Voilà,
donc c'est là, c'est là. Voilà, donc là il y a les pistons en haut. Donc voilà. Qui pousseront le verre. Voilà. Ici. Il y a le bud switch qui détectera le bloc de melon quand il est posé, quand il sera posé. En fait, je vais faire un 2 en verre. Hein. Ça pourrait être sympathique. Je pourrais éclairer. Voilà. Ah non, moi je peux pas passer. Oh, je vais faire ça là. Attention, vous voyez plus rien, je sais. Voilà. Comme ça, ici, il y aura pas d'eau qui nous embêtera. Enfin, si, hein, toujours, hein, mais il y en aura un peu moins. Je vais éclairer ici. Voilà. Ici je vais fermer pour l'instant. Hop, l'eau ça part. Donc voilà. Ah, il manque une source d'eau. Voilà. Donc ici on a notre petit dôme. Comment je pourrais faire pour sortir sans tout inonder encore? On va faire une petite porte. Voilà, je vais prendre les petites vues. Et je vais faire la porte. Ah bon, on a trois. Bon, on a trois portes. Vite, vite, vite. Hop, ça peut pas tout casser, c'est bon. Donc ça c'est bon, je vais faire la même chose de l'autre côté. Oh, je perds du verre pour rien en fait. Parce qu'ici il faudra que j'alimente les pistons. Ici c'est pas du verre. C'est de la cobble. Ah, c'est compliqué par contre les systèmes en redstone sous l'eau. Une porte là, c'est marrant, ça fait propre. Voilà, voilà. 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 Hop, respire. Voilà, donc ça c'est bon, j'ai mon petit dôme. Ici, il faut que j'enlève tout. Toute l'eau. Ah, si j'avais des éponges, ça irait tellement vite. Mais ne vous inquiétez pas, on va le tuer. Hein, on va tuer les boss. C'est juste que j'ai pas trouvé de temple marine en fait. Parce que dès que j'aurai trouvé un temple marine, bah, on
On va se le faire hein, quoi. Parce que moi, les éponges, là, il m'en faut. Si je veux faire des tours à mob, des choses comme ça, je perdrai trop de temps. Sans éponge. Donc ça, c'est bon. On va pas poser de redstone tant que je vois pas qu'il y a toute la petite maison qui abrite. J'ai pas envie de recommencer 500 fois le circuit. Donc, voilà. Du coup, ici, il y a rien. Pas d'eau. Ici. Voilà. Du coup, pour éclairer, on va éclairer là parce que il nous faut. Je sais pas si ça pousse. Désolé, petite coupure, j'avais plus d'espace disque. Du coup, pour éclairer, je vais mettre des petits blocs comme ça, sympathiques, avec de la lumière. Voilà. Donc ça, c'est bon. Il faudra faire pousser le melon là. On mettra de la redstone là. En haut, à alimenter. Parce que c'est bien beau ça, mais... Il faut couvrir quand même les circuits. Si j'avais du verre, j'aurais tout fait en verre. Mais bon, j'en ai pas à l'infini. C'est un complexe sous la mer. Donc on va éclairer. Voilà. Voilà. Parfait. Ah, par contre. Voilà, parfait. Petite coupure, je vais regarder comment j'ai fait mon bud switch. Donc voilà, donc il nous fallait. Je sais que j'ai oublié des trucs, des blocs de redstone. Du coup, je vais vite aller dans la table de craft, je l'ai récupéré. Je vais faire deux blocs de redstone. Voilà. Donc on pose un bloc de redstone sur ce bloc-là. On pose un deuxième bloc de redstone. On pose après juste en face de ce du bloc du haut. Voilà, vous posez 4 cubes comme ça. Vous cassez lui et vous mettez un piston là. Non, trop loin. Voilà, donc vous posez un piston. Voilà. Un piston comme. Oh là là. Un piston comme ça, voilà. Donc le piston en face, on casse ça. Juste au-dessous, on va mettre. Parce que en fait, je dois tout déboucher, c'est assez horrible. Donc on va mettre. Ah. Ah mais je peux pas le poser le repeater. Les jouets de construire sous l'eau. Voilà. Voilà, parce qu'en fait ici je dois mettre un repeater avec une torche là. Ah, c'est pas gagné hein. Mais je crois que j'ai une idée, je vais faire ça en fait. Ah, j'ai plus de cobble. J'ai plus de cobble, vite.
C'est la cobble 100%. Parce qu'on a toujours besoin. Et je crois que j'en ai plus. Je vais vite voir. Vite, vite voir. Cobblestone, il me reste un stack. Non, deux stacks. Oh, ça peut passer deux stacks. Ah, c'est horrible de construire sous l'eau par contre. Surtout la redstone, dès qu'on pose un fil, il va se casser dans l'eau, donc il faut tout bien préparer. Donc en fait, je suis obligé de faire des mini salles, en fait. Je suis obligé de faire des choses comme ça. Du coup, je vais faire ce que je suis en train de faire là. Je fabrique une mini salle. Bah attends, je vous montre un tas parce que ça ressemble à un gros pâté. Je vais rentrer par des portes. Je vais casser l'intérieur. Voilà. J'ai fait un truc beau. Ici, donc. Ah, vous avez vu, hein, dès que je casse un bloc à côté, ce piston c'est écarté parce qu'il c'est en fait ce qu'il fait dès qu'il y a un bloc, enfin une mise à jour de bloc, le piston va le détecter. Donc du coup un repeater là, en face, ici j'espère quoi là. Donc ici une torche qui ramènera le piston. Donc dès que je pose quelque chose, voilà, ça va détecter. Donc du coup dès qu'il y a un melon qui va pousser à côté de ce piston, ça va détecter. Du coup, on peut encore creuser. Voilà, c'est ça le problème. Il faut que je fasse ça tout le temps. Du coup. Ici, il y aura le circuit. Donc du coup, en fait, il faut que je fasse une salle comme ça. Voilà, c'est un peu mieux. J'ai compris comment faire. La cobble. Je sais pas si j'en aurai assez du coup finalement. Je peux pas casser comme ça. Ah si, ouais, j'ai réussi. Ah, faut spammer les torches, hein. Voilà, donc ça c'est bon. Ma petite salle. Donc du coup, je disais un repeater là. Est-ce que je peux. Non, je peux casser ça. Voilà. Donc un repeater là. Une torche avec le piston. On va mettre 3 repeaters au maximum délai. Je suis un peu trop loin. Une torche ici. Le système va tourner. Voilà, donc du coup je suis un peu. On va faire un truc comme ça pour sortir. Voilà, du coup un repeater toujours au quatrième cran. Le système va continuer par là. Donc là il y aura. Comme ça j'essaie bien de calculer. Là il y aura un, deux fils. Le piston. Du coup, je crois que si je fais ça, normalement, c'est bon, ça passe. On va voir ça. Voilà, prise de tête, prise de tête. Voilà, donc là, c'est bon. Donc normalement, si je suis pas, si j'ai mal, pas, si j'ai bien calculé, je veux dire. Donc, du coup, c'est bon. Donc, après le repeater ici, on va mettre un de fil. Ici, il y a le piston. Un piston collant.
qui va pousser en fait, qui va vous allez comprendre quand il y a des erreurs de système. Voilà. Et en gros, je crois qu'il est au quatrième cran, je me rappelle plus, je verrai ça après. Du coup, en fait, le piston va annuler. Enfin, dès que ça a détecté un bloc, ça va recevoir un courant et ça va le refermer ensuite pour pas que ça boucle à chaque fois et pas des ça ça détecte, ça remet, détecte, ça remet. Donc du coup, ça c'est bon. Oui, si j'ai bien fait, je vais creuser là pour sortir. Juste ensuite, donc là il y aura un de fil. Attends, là il y a le bloc. Ouais, c'est ça, donc là. Là il y aura un de fil. J'espère que ça n'a pas cassé le système là, parce que j'ai entendu des bruits. J'avais pas envie d'entendre. Donc là il y avait un de fil et après ça a remonté. Je sais pas si j'aurai tout. Voilà. Donc du coup, pas que j'en ai secours, ça a pas cassé. Non, c'est bon. Donc du coup, là, il y a un de fil. Voilà, deux petits fils. Et ici, il faut refaire monter le système en fait. Avec. Ouais, donc là, avec. En fait, ici. On va mettre une torche. Voilà, ici. Un repeater au quatrième cran. Troisième, hein, je crois, j'ai toujours 4. Là, on va pousser les pistons. Oh, sérieux, on peut passer à travers. Oh, je me suis fait. Oh, j'aurais pas cru que c'était possible, ça, par contre. Ouais, vous voyez, j'apprends des trucs. Donc faut que je remonte. Voilà. Donc du coup, les pistons qui permettront de faire pousser. Du coup, ça c'est bon. Il faut faire remonter le courant qui est là. Pour le faire remonter, je peux casser là. Non, oh non, 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 non. Voilà. Voilà. Et ça c'est horrible. Et ça arrive tout le temps quand on fait ça dans l'eau. Oh là là. Quatrième cran. Et ici normal. Quatrième cran. On va le mettre normal ici, je crois que c'est normal. Hein. Et deux fils. Ici, je crois que c'était normal, c'était pas quatrième cran. Bon, du coup, je vais dehors. Il faut que je bouche. Pour que je ramène la source en haut pour alimenter ces pistons là. C'est parti. Du coup, la source, elle est où exactement? Ah, en fait, c'est moi qui ai oublié de faire ça. Okay. Oh, je vois rien, c'est horrible. J'aimerais bien savoir où est la source, en fait. Je vois un petit peu la. Donc là, il y a la source qui est juste au-dessus de ça, en fait. D'accord. Ouais, bon, bah ça, c'est un peu grave. Donc du coup, ah, j'ai bien la chance. Moi, ici, je peux casser. Du coup, la source elle est ici, donc on va mettre une torche. On va mettre ah, ici, je peux récup, ici aussi, je pourrais récup. Ah là, en fait, les moyens du bord, c'est horrible. Du coup, ici, on va casser. On va mettre un fil ici. Non, non, non. Oh putain. Ça me saoule.
Bon, vu que c'est cassé, hein. Quitte à en profiter. On va mettre des piliers. On va faire un truc dégueulasse. On fera un truc beau après. Oh, mais d'où il y a de l'eau encore? Bon, voilà. Du coup, ici, je disais, il y avait ça. Un fil. Qu'on récupère le courant. Là, on met. Ici, il y a de l'eau, non? Même pas. On met 4 crans. Et ensuite. On alimente les pistons en haut. Faut que je redescende. Voilà. Ici, vous connaissez le système, hein, ça fait 600 fois que j'aurais fait. Un cran là. Deux ficelles derrière. Une torche. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Donc, justement, donc là, il doit avoir un délai qui doit pas être bon. Parce que ouais, voilà, c'était 4 crans en fait, c'est pas un, hein, c'est moi qui me suis trompé. Parce que sinon ça, le système il boucle sur lui-même. Donc du coup, dès qu'il y aura un melon. Et j'ai fait de la merde, j'aurais jamais dû mettre ça là. Ça m'a tout cassé. Donc dès qu'il y aura un melon ou une canne à sucre, je peux pas vous faire pousser, non. Ah, dès qu'il y aura un melon. Bah, le système récoltera et ça ira dans mes coffres. Donc voilà, cet épisode, j'ai terminé. Il faudra que je cherche du melon la prochaine fois. J'espère qu'il n'ait pas été trop compliqué. Je suis sûr qu'il est assez long. Je verrai ça, mais normalement, il sera assez long. Beaucoup de fails, hein. Beaucoup, beaucoup de fails, mais bon, au final, j'ai réussi. Donc ça peut aller. Voilà. Bon, je me suis fail. Il faut pas. Là, je perds des cœurs parce que j'ai fait sneak. Alors qu'en fait, c'est sauter. C'est un peu bizarre. Donc, du coup, tout a été récupéré là-dedans. Et du. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait une petite porte. Mince. Donc, voilà. Donc, il manque les melons et. Ça sera bon. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime. Et je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Ciao!